Microsoft dès maintenant. Un jeu d'action en ligne. Bah bonjour à tous, c'est Vincent le Paysan. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve sur la map de MDL Modding, une petite belle map. Dommage que c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai déjà du matériel. Et je vais... J'ai fait une ferme à cochons donc pour plus tard. Donc j'ai déjà pas mal de matériel qui sont dans l'immeuble. Rangé dans le garage. Et bien sûr, on changera la coupe plus tard. Donc aujourd'hui, je sais pas ce qu'on va faire. Déjà présenter la map. Le matériel que j'ai. Voilà, j'ai deux petites remorques de Guillaume, une faneuse, une andaineuse Fendt, ma rouleuse Kron, bien sûr avec la recharge qu'il faudra mettre. Salut David, comment tu vas? Et bienvenue à toi, t'es le premier. Donc la petite faucheuse fait là, qu'on changera bien sûr dans la série. Il y a le devant qui est ici, pour mettre la chaux. Et sur le Fendt 728 Vario de Uniformer. Donc pour ramasser les bottes, j'ai pas songé à une chose. C'est est-ce qu'ils sont compatibles avec le... Estro à l'inverse. Bah ça va et toi? Bah oui ça va. Très bien. Toc. Donc là il y a une planteuse Keverland. Le semoir Keverland. Alors c'est des trucs que j'ai pratiquement jamais utilisé. Donc c'est le moment. Bon, le décompacteur de 6 mètres. Et le petit PLV de 18 mètres, je crois, ou 24 mètres, je sais plus. Et le petit 300 de Uniformer. Donc voilà pour ici. Donc j'ai un peu fait de modification. Donc il y aura du fumier. Un épandeur de fumier à acheter et lisier. On va mettre sur la petite fourche et le godet qui sont restés ici. Le monde va arriver. Toc. Donc voici mes petites modifications que j'ai fait sur la map. Donc les petites mélangeuses de Robert.
Ça, c'est pour faire la ration mélangée. C'est un mode que j'ai pris sur Champ de France V3. Salut Romain. Merci de ton petit pouce. Voilà, on n'a pas de réserve. Une pailleuse, Lucas, qui est sortie sur le modem il y a pas longtemps. Bien sûr, une citerne. Toc. Et bien sûr, je vais faire voir mes modifications. J'ai fait une ferme ici. Donc, on fera certainement les cochons ici. Donc, vous voyez, j'ai replacé un silo ici. Ça, c'est une barre de coupe pour la machine à betterave de 16,50 m. Alors là, j'ai mis le petit château de sable, c'est pour faire un point pour le gasoil, le petit karcher, un stockage à lisier. Bah, des stockages et là-bas pour faire nos semences. Donc on viendra faire nos semences ici et quand on ira semer faudra qu'on vienne ici. Donc la machine est pour la récolteuse de betteraves, la Holmer, capacité de 60 000 litres je crois. On ouvre ici bien sûr le petit JD, le 3650 avec la citerne. Et le petit Renault pour pailler. Et on va voir le. Et ben l'enclos à cochon. Donc j'espère que vous allez bien. Je fais la bise au poteau. C'est pour aller juste un peu plus vite. Et bienvenue aux 4 personnes. Donc voilà, j'aurais dû venir en tracteur pour vous faire voir l'enclos à cochon. Voilà, il est là. Je sais pas si ça va fonctionner à pied. Mais je vais prendre un tracteur pour vous faire voir, ça sera peut-être mieux. Normalement, ouais. Je vais spawner dans un tracteur et je vais vous faire voir tout de suite. On va prendre le 3650. On marque payer comme ça. Hop. Donc après le live, je mettrai ma petite vidéo en DL de la ferme des vacanciers, la série vacanciers. Salut dame, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors j'ai placé ce petit enclos à cochon que j'ai trouvé sur Kinbod. Alors vous venez ici. Normalement ça marche. Et une petite animation pour nettoyer les roues. Alors, ce qui est dommage, ça ne nettoie pas. La porte elle s'ouvre toute seule. Là ça va. Ça a retendu la prise de la tonne. Ah ouais. C'est ce que j'ai vu aussi, mais bon, ça n'empêche pas que ça fonctionne. Hop, voilà, les portes s'ouvrent. Bon, bah, je vais un peu trop vite. Toc, et voilà. Donc, je trouve plutôt sympa. C'est une porcherie bio, je crois, ce que j'ai vu. Mais on n'est pas prêt de faire les cochons parce qu'il faut du maïs, du. Ah, et j'ai placé aussi un atelier pour réparer les. Alors bien sûr ici c'est pas la ferme principale, alors je vais avoir de la place autant que je veux. Alors attention, je vais reculer avec un deux lits. Généralement,
c'est pas très le top. Voilà. Bon, je le laissais comme ça. Donc, on va aller à la première ferme. On va voir quel choc que j'ai acheté. Et bien sûr, on va... Ah, j'ai acheté que le champ où il y a de l'herbe. Bien joué. Donc on a un champ d'herbe. Est-ce qu'il nous faudrait... On va faire un crédit. Je sais pas combien ça coûte les parcelles. Mince. Les parcelles, ça coûte... 46... Ouais, 46 000. Et on va faire un crédit de 100 000. Je me trompe de touche. En tout cas, j'espère que vous allez très bien. Là, je suis rendu à 140 000. Bon, on va laisser 150 000. On va acheter le champ. Ça, c'est de l'avoine. Et ce qui m'embête, c'est que certes j'ai acheté de la mâche, ça de la betterave. On va acheter. Ah ouais, c'est carrément la ferme qu'on achète. Ouais, super. Et bon, on va l'acheter comme ça. T'es sûr que c'est de la betterave? Oui, c'est de la betterave. Ah bah donc on va acheter les poulets et les moutons, comme ça on les aura et on aura champ de betteraves. Donc on va acheter celui-là. Et ce qu'on a dit, un champ de tournesol, c'est quoi ça à gauche? Ouais, on va acheter celui-là comme ça. Pour commencer, ce sera déjà ça. Et on va aller faire du maïs. Bien sûr. Salut Kéké, salut Christophe. Hop, comment que vous allez? J'espère que vous allez bien. Bon, vous savez pas aujourd'hui ouvrir les portes, c'est le souci. Voilà, comme ça. On va aller faire le maïs. Comme ça, on pourra l'emmener au cochon. Et ouais, ça change. Allez. Alors, c'est bien, c'est que j'ai pas regardé le temps de croissance. Est-ce qu'il est prêt le maïs? Même pas. Bah, je me suis fait rapser. On aura 48 000 euros. Est-ce que... Maïs. Est-ce que le champ 17, il est mûr? Eh non, il est pas mûr. Oh. Qu'est-ce qui est mûr? Eh ben, c'est pas grave, on va aller faire le champ d'avoine. Pas d'avoine, mais de... Mince, d'orge. Bonsoir Christophe, comment tu vas? C'est vrai, il faut que j'aille ouvrir les portes, encore une fois.
Alors elle joue avec le manuel attache. Donc je suis obligé de sortir pour aller attacher. En réalité, c'est ce qu'on fait. Donc ça donne un peu plus de réaliste. Donc c'est une barre de coupe de 9 mètres, Lizard, c'est Monsieur Eddy. Il l'utilise dans sa petite série. Toc. Allez, hop, on prend la direction du champ. Alors j'aime bien rouler sur la route en vue intérieure. Oh oui, ça va. Je me suis pris un mur. Hop là, c'est bon. Donc bienvenue dans la ferme. Le Berrichon déménage en Isère. Une très belle map. De MDL Modding. Alors vous voyez la petite fan idéale à peine quand même dans les montées. On va mettre la barre de coupe ici, comme ça. Ah, la circulation, on va dire, je l'ai coupée. C'est une partie tranquille. Salut Jonathan, comment tu vas? Excuse, je t'avais pas vu. T'es concentré à ce que je faisais. Touk. Alors attends, je sais plus si c'est bon. J'ai pas besoin de relier les. Alors on va faire de la paille, hein, bien sûr. L'orge, bien sûr, on va le garder. Une remorque qu'on mènera à la ferme des moutons. Ah, des moutons. Des cochons. Et le reste, on le vendra. Hop là. À vrai dire, là, on est pour un petit moment à moissonner. Je crois que j'ai acheté le plus grand champ. Je crois que YouTube il est en PLS. Allez, je me tape déjà un pouce rouge, merci à lui. Mais c'est ce qui sait pas, c'est que ça fait une vue. Hop là.
C'est dommage que la mise à jour a planté de MDL parce qu'elle était pas mal. J'avais un peu visité ce qu'il avait fait. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et voilà, j'ai pris le champ à l'envers en plus. Personne ne me l'a dit. Marc, il n'y a pas de clôture, donc c'est bon. S'il y aurait des clôtures ou des bouchures, je l'aurais pris à l'envers. Et comment tu vas ton dos, Kiki? Regardez ce beau paysage, on voit même l'enclos à cochons d'ici. Ouais, c'est l'enclos à cochons là-haut. Qu'on ira tout à l'heure vider le. Ouais, j'ai vu, il a sorti une vidéo ce matin, je crois, Kéké. Et il doit en ressortir une demain, je crois, une vidéo. Alors là, les patrons, ils vont défiler vers le bas. Ils vont prendre le. Hop, direction la ferme. Qui demain soir 20h? Zéro? Non, c'est à 17h, je crois que j'ai vu son truc. C'est vrai que la barre de coupe en 9 mètres, ça fait un peu coup. Ouais, oui, demain vers 17h, je crois. Ou je sais plus. Et bienvenue aussi, personne. Toc. Alors, pour pas s'embêter avec les bottes carrées, les bottes rondes, il faudrait faire tout en longueur. Toc. Donc on va faire un peu de pressage aussi. Hop, on est à 50%. J'aurais dû prendre la barre de coupe de 12 mètres, mais bon. On améliorerait les choses au fur et à mesure de l'aventure. Ah oui. Et qu'est-ce qu'ils font au kiné? Ils te mettent des plaques chauffantes sur le dos. Ah, sur ta cicatrice.
Et bienvenue aux 7 personnes. Ah, effectivement, il y a moins de monde le mercredi. Puis en même temps, demain, c'est la rentrée des classes. Ah ouais, t'as eu le droit au vélo, bah pas moi. Non, pas du tout, Kiki. C'est la rentrée des classes demain. Et voilà, je me trompe de bouton à chaque fois. Non, je l'ai pas fait mon carton, non. Eh non, je suis l'école du Seigneur. Ouais Christophe, ouais c'est le mode AI. Donc n'hésitez pas à aller voir sa petite chaîne YouTube. A bien évolué, de toute façon il le mérite. On va aller chercher le 700 avec la Ronde Ben Guillaume. Non, avec on va aller chercher même le 300 avec la petite benne. Ah ouais, sa machine, son mode, ouais, il est magnifique. Bah, y a pas que son mode, ses modes, son la moissonneuse, même le reste, c'est magnifique. En plus, l'idéal, il y a bien pensé, c'est qu'il peut. Bon, on peut mettre Masset, Fent, on peut mettre plein de trucs. Challenger. Ah, peut plaire à tout le monde celle-là.
Ça, il aurait fait que feint à mon avis. C'est tout à fait ça qui est un génie. Mais oui. Je savais que le bateau était en collision. Donc on va repartir d'en bas et revenir sur le poteau. Ah moi c'est le bruit de la machine et... Proche kiff. Bon, je fais un petit coucou à Ced aussi, à Jérémy, Neosis Gaming, petit Juju, Romary. L'état normand, coucou. Je suis en train d'en oublier un, mais... Christophe. Et monsieur Thomas. Et un petit coucou à Ludo. Et à notre ami Frau Wolf Gaming. Avec sa chasse au loup. Ah bah, salut Victor! Comment tu vas? Allez, on va spawner bah justement dans celui-là. Les portes sont ouvertes. On le laisse échauffer. Ouvre la porte. On va prendre le petit 300, on va mettre la petite benne derrière. Et ouais, pourquoi on n'achèterait pas le champ 17? Les gars, ouais, le champ 17. Et se faire un ensilage dedans. Ou l'ensilage on fait ici. Et le champ 17. Le champ 17, il est là. Il est là. On va l'acheter. Il coûte pas bien cher. On oscillera celui-là et puis on finira celui-là en... Et j'espère que Jérémy a pas fait la mise à jour. Enfin ça en le connaissant, il a pas dû la faire. Et Jérémy, mais je crois qu'il a mis le lien de la map sur son site. La petite bonne Guillaume. Disponible sur Killmod. Toc. On va se mettre ici. Salut Monsieur Fred et Madame Fred, comment vous allez? Salut Madame Fred. Par contre, j'allais faire quelque chose. C'est que la nuit tombe. Et j'ai pas allumé de lumière. Toc. Mais je me rappelle plus si j'ai activé le follow me sur la partie. Alors, on va voir. Contrôle F, c'est bon. Salut à Louise, comment tu vas? Bah ça va, Fred. Et Madame Fred, bien entendu. Les deux sont ici.
Donc n'hésitez pas aussi d'aller voir la chaîne à monsieur et madame Fred. Allez, hop, on va à droite. Il manquerait quand même un tracteur juste pour presser. Soit on finit le champ et... Vous allez voir que le 300 il peine d'aller monter. Toc. Voilà, vous allez voir la remorque Intrémie, elle est pleine. Ah oui, ça va. Héloïse. Attendez, je reviens. Je vais allumer la lumière. Et me revoilà. Donc la remorque là, on l'a ramenée au cochon. Toc, et voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est ce qu'on va faire un peu. On va faire un peu de presse. Toc. J'ai laissé le suite player, je crois, il me semble. Hop. Salut le simulateur de BZH. Allez hop. Allez, parti chercher un peu la presse, comme ça on va altervertir un peu les choses. Alors après de sur FS22, après d'avoir passé le cultivateur, ben on va se mettre à ramasser les cailloux. Donc ça va prendre un peu plus de temps avec le petit Zetor qu'on a vu en vidéo. Ah, j'ai pas mis les panneaux. Et hop, elle sort de là. Alors, je sais même plus si j'ai de la ficelle dans la machine. Eh ben, on verra. Mais normalement, oui, je crois que j'ai fait le plein. Mais j'ai pas ramené la palette. J'ai bien dit normalement. Toc, c'est bon, il y a le plein. Bon, en même temps, j'ai pas fait de botte de paille. Salut Thomas! Comment tu vas? Oh, ça y est, le monde arrive. J'espère que vous allez bien. Et merci à Kéké, ouais. Comment tu vas, Thomas des fracassés, le fou? J'espère que tu vas bien. Et n'hésitez pas à aller voir aussi la petite chaîne à Thomas des fracassés. Pas besoin de lumière.
Et voilà, je monte sur le côté. Tant qu'à faire. Par contre, je sais plus si j'avais activé un mode. C'était le mode. Ah justement pour que les balles. Bon, en fait, que le tracteur il s'arrête tout seul. Que c'est pas au moi de le faire. Et je sais plus si je l'ai désactivé ou pas. Et je voulais le désactiver ici. Attendez, parce que avant une chose, et voilà, 1m30, ouais, c'est bon. S'il y a plusieurs configurations des balles, on va faire des balles normales d'1m30. Alors, est-ce que ça s'arrête à 100 tout seul? Ouais, voilà. C'est ce que je voulais pas sur cette map là. Bah, du coup, on va s'amuser un petit peu, je pense. Voilà, la première balle est faite. Bien sûr, je la ramasserai pas manuellement. Je la ramasserai ni avec l'autoload. Alors là, les bottes, ils vont se retrouver à perpète. De rien, Thomas. Et j'ai pas envie de quitter la partie pour le désactiver. Oh là là, bouge plus. On va aller caler. Et si tu t'en vas à la ferme directement, ce serait pas mal. On va l'arrêter, elle, avant qu'elle aille plus loin. Allez, j'aurais dû prendre des bottes carrées. Voilà. Ah bon. Je crois qu'elle allait repartir. Toc! Allez, on va être à 100%, voilà. Salut Reg, comment tu vas? Salut vite fait, un petit pouce bleu. Bah ouais, tu te lèves dans. Salut DJ, comment tu vas? Comment tu vas DJ? Merci Didier pour ton petit pouce, ça fait plaisir. J'ai pris le. Pour le ramasser, on va prendre l'arquezin. Ouais, l'arquezin, ouais. Du Paco Anderson. Bien sûr, voilà. La chose que je voulais pas. Ah bah, sans les. Attends. On va faire une chose, on va l'arrêter parce que celle-là, je sens qu'elle va partir. Et elle peut aller très loin. Quelle idée d'avoir pris des bottes rondes. Mais quelle idée! Ça y est, assez calé, ça va s'arrêter. Là, on va pas faire la moitié entièrement. Ça évitera. Ah bah c'est sauvé l'autre. Ah non, il est toujours à la même place, ça s'est caché la coquine. Voilà.
Bonne nuit à toi, Reg. Bon, de rouler encore, ouais, bien sûr. J'ai laissé le tracteur au plein milieu en même temps, on va faire demi-tour. J'ai vraiment pas eu la bonne idée de prendre des bottes rondes. Ah bah elle aurait été pas plus loin celle-là. Bon c'est pas grave. Je fais vraiment du n'importe quoi ce soir. Ah c'est le début. Ouais, la bonne presse. Ouais, je crois, ouais. Tu me fatigues, c'est pour ça. Je te un, mort de rire. De quoi? Pas compris. Ça bloque et ça redescend. C'est vrai que pas filé filou ça. Vraiment top le 700 Eddy. La dernière sortie est bien. Allez, bah roule encore elle. On va aller pas loin même. Voilà, on va couper là. Lui, on va le sortir de là. Non, c'est pas ça ce que je vais faire. Voilà. Comme ça. Sauf je pense qu'elle sera arrêtée avant. Ah non, elle aurait continué. Voilà. Donc voilà. On est reparti. Ah bah oui, il faut que j'allume la machine. Installe la clôture autour du champ. Ouais, je crois que. Je crois que même on va s'en prendre une de la moissonneuse. Ouais, j'aurais déjà fait. Là. Mais c'est pas possible cette botte là. J'ai vraiment la peau ce soir. Est-ce que c'est le mercredi ou... Là. Oh, tu te calmes. Voilà. Bonne soirée à tous et bravo pour ton boulot. Bah, merci Didier. Ouais, c'est qu'il y a un mode qui m'embête pour les bottes rondes.
Normalement, Potosed il doit passer sur le live, il a dit. Et je suis en train de vous préparer une petite série aussi. Et bienvenue aux trois personnes. Salut Thomas. Attends, qu'est-ce qu'il a marqué lui, Tata Zazio? Petit coucou rapide. Bon live. Merci Thomas. Bah oui, demain c'est la rentrée. Faut que tu te couches. Et merci de ton passage. Ah bah oui, ça va te changer pendant tes 3 mois de vacances. Merci Thomas et puis bon courage pour demain, pour ta rentrée. Ah, il nous reste quand même quasiment la moitié du champ à moissonner. Ça va quand même assez vite. Ah, on a mis une heure, ouais, mais en une heure on a commencé. Présentation, ouais, présenté. Et je crois qu'avec tout ça, j'ai pas pris de cultivateur. Comme ça on amènera des balles à la ferme principale et des balles à la ferme des cochons. Puis certainement le reste on le vendra. Tu parles 6 pouces sort. En même temps je crois que YouTube est en PLS. J'en ai eu 2 par semaine, Kiké, je crois. Une le lundi et une le jeudi. Mardi et puis une le jeudi. Ou soit c'était le lundi ou le vendredi. Bon, de toute façon, ça va être hélico presto.
Dis-moi, j'ai combien de pouces, Kéké, sur YouTube? Ah, sur le live, s'il te plaît. Parce que je crois que YouTube, il est en... Je crois qu'il peine encore. Hein. Il a rien, poteau. J'ai zéro pouce, Kéké. C'est bizarre, ça. Tiens. Salut Yodi, merci. Bah ça va et toi Elodie? Oh bah ça c'est comme d'habitude. Un jaloux. Ah, ça va, Elodie. Merci. Merci beaucoup. Alors là, je fais la connerie. Je fais l'andin vers le bas. Ah, ce mot ça m'affiche que deux. C'est pour ça. En ce moment, je mets pas beaucoup de hop, je regarde ce que tu marques en ce moment. Je mets pas beaucoup, j'ai beaucoup de travail. Tu t'inquiètes pas, mon ami. Je m'en doutais un peu. Ouais, je t'ai même lâché un commentaire, je crois, Elodie. C'est vrai que ce camion, oh ouais, ça doit être un genre de camion qui fait Pandora chaud. C'est plutôt sympa. Ça change. C'est la première fois que je vois un camion ouais, qui pend de la chaux comme ça. Ça marche pas, mais j'ai ma graphique. Bah pourquoi? Si tu joues, c'est tes graphiques qui fonctionnent. Mais compare pas nos vidéos à ton. Salut Mickey, Mikari 49. Merci de ton passage et bienvenue à toi. Mince, je regarde pas ce que je fais, mais je te remercie pour ton petit pouce, ça fait plaisir. Si tu crois que nous on est sur OBS, ça améliore la qualité du jeu. Après, c'est pas en faisant. Hop, on va aller de l'autre côté. Salut Lick. Rebonsoir Lick. Vincent, tu loupes mon message. Mais quel message? Oui, qui épand le chauffeur, un ami qui explique qu'il y aura d'autres avec le chauffeur, c'est
copain, il le suit. Ah! Bah si, il faut que tu... Toi, ça c'est comme Vidoul, quand il a besoin d'aide, il faut qu'il vienne... Si t'as un Richhead que tu marques sur YouTube, tu marques tuto Richhead ou... Il va t'installer, faire voir ou installer comment faire. Il va pouvoir reculer, voire partir du haut. J'ai ciré le... Oh. Tu joues sur quel map comme d'hab? Non, là je suis sur pop, la bombe de MDL modding. Bah oui, ça marche. C'est pas parce que t'as un jeu CD que le rachet ne marchera pas. Que ce soit jeu Steam ou jeu CD, tout c'est pareil. Ouais, Mikari, c'est bien ça. La boum de MDL modding. Bon, bien sûr, c'est pas la mise à jour parce que il l'a enlevé, mais c'est l'ancienne version. Bah ça a l'air que okay, ouais, il va bien, il a repris les séances de kiné. Bonne nuit Lilik. Bon courage pour demain matin. Et merci de ton passage. J'étais en train de regarder un truc. Kéké, un campin avec Mika Vincent. J'ai pas trop. Ah oui. Oh. Désolé. Je ne savais pas. Non mais c'est pas toi Kéké. C'est un autre Kéké. T'es pas le seul, eh oui. T'es pas le seul et unique. Eh oui Kéké, t'es pas le centre du monde. Comme moi, il y a plusieurs Vincent. Oh là là, je regarde le chat mais je fais pas ce que je fais pas attention à ce qui se passe. Hop là. '96, est-ce qu'on irait pas vider à Trémy avant? La remorque elle est là-bas.
Allez hop, c'est parti. Ouais, bah YouTube, je crois qu'il plante. Non. Je suis plus en vacances, je l'ai dit. Salut le poussin zinzin, comment vas-tu? Bon, attends, c'est 9h30, je reçois les notifs à JC fracassé. C'est quoi ce bordel? Bah, ça va. Ouais, demain, ouais, c'est la reprise de l'école. Comment tu vois, Dylan, je suis en train de me tromper avec AF16, un truc de mal. Le poussin zazin. Ça a été ta journée? YouTube, laisse tomber. Ouais, tu vois là, je viens juste de recevoir un notif à JC. Et lui, JC, il commence à 8h30. Et c'est 9h30, ouais, 1 heure après quoi. Ça vient. Fais pas comme ça. Fais pas le con. Ça vient saoulant. Tiens, il reste sous ça encore. Oh là là. Oh bah j'ai pas fini. Ouais, moi aussi j'ai noté. J'ai fait sur mon Discord et puis sur mon groupe Facebook et voilà. Après, il s'étonne qu'on a moins de vues, qu'on a.
Ouais, le pouce à zinzin, ouais, j'ai un Discord. Si tu veux, il est dans la description. Y a pas de souci, tu peux venir. Bah, en vocal, tu pourras pas parce que ça, c'est pris. Mais j'ai un Discord. Si je l'ai mis, ouais, normalement j'ai dû le mettre. Sinon, au pire, le pouce à zinzin, tu regardes ma dernière vidéo. Normalement, il y a le lien Discord. Puis là, je peux pouvoir te le mettre. Ah, bah, c'est ça que j'ai oublié de faire alors. Regarde dans ma dernière vidéo FS19 Clazer Chem, normalement il doit y être. Ah, le live dernier, ouais, c'était le live. C'est la vidéo où elle est faite, elle doit sortir demain. Normalement il se périme pas. Elodie, t'as pas besoin de supprimer tes messages. Hein. Attends, mais le champ en fait il est immense. Alors n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Bah, bonne soirée Elodie, puis bon courage à ta fille pour demain. Merci Elodie. Il reste tout ça. Oh là là là. Poum. Bon allez, on va reprendre un peu la presse. On va aller vider le 300, tiens, ça va nous faire un petit peu de balade. Attends, ouais, mais elle est peut-être pas valide aussi, Kiki. Peut-être pour ça qu'il m'a dit. Attends, je reviens de suite. Toc. Je croyais que ça allait couper. Meilleur ce. Voilà, je reviens vers vous. Eh ben YouTube, il merde. J'y crois pas.
Tiens le poussin zinzin, je te l'ai mis en description. Je pense qu'il est actif celui-là, le poussin zinzin. Je l'ai mis dans le chat, je pense qu'il fonctionne le lien. Ah, bienvenue à toi. Et si tu veux mettre tes vidéos en... Quand tu fais tes vidéos, tu peux mettre dans la publicité normalement. T'as le droit de mettre dans la publicité, non? C'est vrai que là d'ici normalement on voit la ferme des cochons. Ouais, la ferme des cochons elle est là-bas, vous voyez le toit rouge, bah, c'est l'enclos à cochons. Quelle idée. Bon ça se rétrécit petit par petit mais... Salut la yacht, comment tu vas? Tu sais, je t'ai vu chez Gwendal cet après-midi. J'ai vu qu'il... J'étais sur son live aussi, voir son... sa map qu'il faisait... Ah, l'orge il commence à se rétrécir. Ouais. Tu veux dire Bruno Similari? Ouais, c'est vrai, ils font de belles choses. Déjà être courageux à faire ce qu'ils font, il faut de la patience. C'est vrai que tu fais un truc, faut que tu aies essayé sur la map, après tu fasses le script. Après ils adorent ça, après quand t'adores. Hein. Salut Mikado.
Bah comment tu vas? Ouais, on s'est pas vu Mikado, ouais, c'est hier soir d'ailleurs. Mais je reste distrait généralement vu que je roule en même temps. Ah ouais, c'est pas évident en vrai. En même temps, le téléphone au volant c'est pas le top normalement. Ça veut dire j'étais pareil. Mais bon, quand on se fait prendre une fois, généralement on recommence plus. Le bip, c'est un mode poteau. Ouais, normalement, ouais, je crois. Normalement, il s'allume petit gyrophare arrivé à 80% de la trémie. J'arrive là-dessus. Non, je suis sur la boum. Bah la boum parce que la version 1v1, bah la 1.1 a été enlevée parce qu'il y a eu un bug. Ici. Non, jamais je suis obligé d'aimer moi-même les gens. Ah, mais moi, ça me les allume à 80% de la trémie. Ouais, elle est pas mal cette map. C'est dommage qu'il a foiré la mise à jour d'ailleurs. Dire qu'il s'est fait insulter sur sur King Mode, moi je trouve ça honteux, ça se fait pas non plus. Faudra, j'essaye, je te dirai quoi. Bah voilà, les moissons vont être terminées. Tous les cas pour l'orge. Parce que le maïs il est pas prêt. On aurait mis quand même une bonne heure à moissonner le champ. Il n'y a plus qu'à presser et à ramasser les bols de paille. Et voilà. Ouais, exactement. Ils feront pas mieux en plus, c'est ça le pire. Bon, on va aller prendre les 300. On va faire une petite balade. Parce que là, normalement, ça videra pas le tout, je pense pas. On va regarder quand même, mais. J'ai avancé un peu, ouais. Plier les bords de coupe.
préparer pour Capart. Attendez, je me concentre sur ce que je fais. Ah, c'est que la barre de coupe a descend, faut que je me mette. Voilà. On va faire comme ça, on ira plus vite. Au pire des choses, on va faire comme ça. On va aller vider la randben. Voilà. Ouais, elle est cool cette batteuse. Je l'adore. Et comme sur les séries que je faisais, je peux pas la mettre. Bah voilà pourquoi je mets. Suis mis sur cette map là. Et en même temps, j'avais envie de jouer sur cette map. Alors, toc, on va atteler. Pas besoin de chaud et de labourer. Ah, et puis il va falloir la station de chaud aussi. Donc, on va les vendre ça où? Ah, bien sûr. Ouais, je sais où c'est à travers le pont. Ouais, c'est en bas, ouais, c'est la façon. Donc on ressort. Enfin, comme si on allait fermer tout droit. Allez hop. Salut Reg, comment tu vas? Ouais, c'est sûr, elles feront pas tout court. T'as vu le FS22, tu peux passer. Oui, bah ça, je l'avais déjà dit, Kiki. Même avant ça, je t'avais dit qu'on pourrait passer vitesse soi-même. Mais vous voulez pas me croire. Allez, on va vider la benne, babenne. Comment tu vas, Reg? Alors, attends. Manque de points de vente. Pas assez de concurrence. Ouais. C'est un peu dommage pour ça, la yacht. Oula. Après, ça dépend ce que tu vends aussi. Ouais, c'est vrai que les céréales, il n'y a pas. Bah, ça va, Reg. Allez, on va vendre ça. Oh, et cette barre ouf. Des silos là. Il aurait peut-être dû en mettre un peu plus, ouais, à quelques endroits, hein, en haut de la map, à côté du 1, ou un truc comme ça. €25 000 la remorque. Ah ouais. Allez, on va ramener la remorque à la ferme.
Au pire, il y a le champ 17. On va ramener tout à la ferme parce que si je commence à tout laisser traîner, ça jamais être rangé ça. Youp, 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 regarde ce que tu fais. Je perds la mais. Oui, ou le... Allez, je suis garé. Oui, où il a les espaces pour placer. Ouais, il aurait dû faire peut-être des espaces pour les placer aussi. Allez. Alors attendez, on va fermer là. On va rouvrir là. On va changer de caméra. Hop, on arrête le... Oh. Hop là, maintenant on va repartir. On repartira pas à vide. Hop là. C'est avec ça qu'on va les charger. Donc c'est pas de l'autoload non plus. Hop là. C'est que c'est calme le mercredi soir, matin, le soir. Et pas de ramassage comme ça. C'est pas toi le chef. Alors B. Hop là. Donc là, on va ramener ça. Ah, il y en a une coincée dans le... Dans le... Dans la remorque là.
Ah, tu vois, celle-là descendait doucement aussi. Moi, je regarde sans trop parler. Si je pouvais vider mes pommes aussi. Vite. Ah. Ouais. Mince, je regarde ce que Kiki il nous sort. Tu triches, c'est pas de la triche. Cette machine existe vraiment. Il est. Faut que tu te réveilles, Kiki. Voilà. Ça, je l'ai ici. C'est pas de la triche, hein, ça existe. Tu m'appelleras quand tu verras un plateau de paille carré, tu peux en mettre 124 dessus. Moi j'en ai vu un. Sur farming, mais pas en vrai. Toc, on va descendre là pour récupérer celle-ci. Hop là, voilà. On va aller continuer de presser un peu. C'est comme ça, on irait. On fera qu'un voyage. À la ferme des cochons. Bord de rire, t'aurais vu le bordel, Kéké. Faut faire le ramassage comme dans la vie réelle. Bah vas-y. J'ai un peu de zigzag, un peu de partout. J'aurais faire ligne par ligne, ça ira plus vite. Il faut que j'enlève ce mode là, qui nous arrête automatiquement. J'ai presque tout le temps comme là avec les ballons. Bah, je crois que normalement l'autoload n'existe pas en vraie vie. J'ai jamais vu une botte voler. Après, tu me verras charger les bonnes manuelles. Si c'était un plus petit champ, mais quoi que t'en as énorme, tu passes des heures et des heures. Déjà pour que je charge, ouais, je prends. Si je prends mon temps, j'en ai pour une demi-heure pour charger un plateau. Tranquille.
tu veux, je t'enverrai une photo sur Instagram de mon chargement chez Seb. J'ai fait des captures avant qu'ils me les détruisent. Monsieur Neosis Gaming. Je crois qu'il y avait Thomas avec. Pas dire de conneries, mais. Ouais, c'était le gros bordel. Bon, de toute façon, il fallait s'en douter un peu. Là, j'en suis à 14. Sur les plateaux comme ça, on peut nous prendre combien? J'en suis à 14, m'en manque 10. Comme ça, on amènera tout ça à la ferme des cochons. C'est que j'ai même pas eu le temps de le voir en plus, Kiki. J'allais arrêter la botte de paille. Ça va retourner sur la route. Ah bah, une bonne. Bon, je parie qu'on la retrouve. Bingo. F11. Tu vois, Kiki, ça aussi, c'est réaliste. Hop. Eh ben. Non. C'est quoi la partie à la planter? C'est quoi ce bordel là? C'est bizarre ça, je peux plus. Hein. Ah ouais, c'est bizarre. Ouais, Kiki a les yeux mal placés lui à chaque fois. Ah, parce que tous les deux vous êtes sur PS4. Salut Victor. Bon allez, j'ai bien kiffé, regardez, à plus. A plus le pouce à Zaza, puis merci d'être là. D'être passé, ça fait plaisir. Je te laisse Vincent, je vais me coucher et bonne nuit à tous. Bah bonne nuit à toi Victor. Merci d'être passé. Et en plus, Kiki, si tu réfléchis, les bots, il va falloir que je les range tous. Les range tous. Parce que ça va pas les stocker comme ça, c'est. Ça va les descendre, je sais pas comment. Ah, il est sur Xbox One.
Eh oui. Moi j'y étais sur Xbox One avant. Mais ça c'était avant. C'était le avant du pourquoi. C'est même sur console que j'ai fait une partie de 800 heures. Ouais, une partie de 800 heures. Ouais. Et attends, tu vois Cocotte là-bas. Attends, on va descendre là. On va aller chercher encore. Allez où? C'est la 24.
Garde les deux. Allez. Hop là. Ah, il y en a trois, d'accord. Oh là là. Il y en a une sur la route. Non. Ça a abusé. Ça. Et merci pour les 21 pouces. Attendez, maintenant faut qu'on les cherche dedans. Il y en a une ici. Non mais moi c'est marqué. Ouais, rayon. Non, c'est que c'est marqué 21, moi, Kiki. Je sais pas, ça bug. Alors, normalement, il y en a une autre. Ah, bah, ils sont toutes les deux là. Toc. Hop là, voilà. Il n'en manque une. Elle est où? Ah bah elle est là-bas à côté du 300. Ah, c'est bien. Ah non, t'inquiète, je l'ai pas pris pour moi. Et je sais. Salut Dimitri, comment tu vas? Non, je l'ai. C'est ok, et voilà. Direction la forme des cochons. Puis les restes des bottes, on les emmènera à la ferme. Contrôle F, voilà, toc. Comment tu vas Dimitri? On va mettre les gyrophares sur la route. C'est déjà pas mal. Ah Kiki, ça c'est chiant les gars qui viennent. Pour se faire confiance et puis du coup bah en fait ils se foutent de ta gueule. Ou soit tu retrouves tes véhicules dans l'eau. Ouais, en mode farming comme toi Lolo. Ouais.
fait, ça me change de jouer avec un arc que ça. C'est. Allez, on prend à gauche. Direction la. La rive, les rives. Donc, bien entendu, faut pas que je me loupe, parce que j'ai la tendance d'aller tout droit, mais. Si j'étais à fond dans les trucs de paille et je regardais pas. Ah bien sûr, j'ai passé ce silo et j'ai fait une petite bosse. Généralement, on peut aussi vider comme ça, j'ai vu. J'ai fait la petite bosse. C'est quoi que j'ai placé le machin? Il y avait la petite bosse. Bien sûr, je recule comme un pied. Toc. Mais il a mal nivelé la bosse. Voilà.
C'est vrai que le choix est pas si loin que ça. Bon, du coup, on va presser encore et. Presser, ramasser, presser, ramasser, presser. Comment tu vois le Spartiate? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ça. Ah, bah zut. Ah, du coup. Voilà. On va se remettre à la presse. Bah ça va, et toi? Et bienvenue à toi, je crois que c'est la première fois que je te vois dans mon chat. Après c'est vrai que des fois, le genre que je fais d'habitude, j'ai plus de monde, alors je fais pas forcément attention à tout. C'est peut-être parce que le nom dans le chat de la description leur fait peur, le berrichon. Je te suis dans l'ombre. Sur tous tes replays quand je joue. Ah ok, bah, pas de soucis. C'est sympa de savoir. Tu vois là, j'avais oublié de vider la moissonneuse. Et si j'avais pas vidé la moissonneuse, bah, ça aurait été vidé. Ça aurait été la fin. Mais, du coup, bah voilà. Je continue. Et je continue. Les poteaux, ils vont me dire, tu connais pas la croix rouge? Moi, je les suis surtout, mort de rire. Ah, c'est que je t'oblige, Kéké, à me suivre. Je t'oblige pas du tout, tu viens quand tu veux. Je sais pas, mais je sens que les bots ils vont encore. Ah, je sais que t'as le temps en ce moment. Je pense qu'on va les retrouver. Bon, jeu de bon, du que ça. Est-ce que ça les arrêtait? Oui.
Putain, mais c'est moi ou la machine à bug là? Putain, j'ai bien vu deux tout à l'heure. Il y en a une qui était dans le champ de blé. Attendez, je vais. Ouais, l'arbre il veut l'arrêter, c'est bon. C'est un peu la catastrophe ce live là ce soir. J'ai un peu du n'importe quoi, je l'avoue moi-même. Je suis un peu perdu. Salut JLB. Comment tu vas? C'est vrai que j'aurais dû prendre des bottes carrées, ça aurait été plus simple. Tu joues toujours sur Champ de France? Là non, c'est la baume. Oui, je t'ai pas dit de conneries, c'est la baume. De MDL. Salut GMG. Ça y est, le monde arrive. J'espère que vous allez bien. Ça va GMG 59. On va passer le temps à ramasser les petits bouts. On va ramasser les plus gros. 24 et 24, 48. Je tourne un peu en rond. On les cherchera quand. Je regarde de l'hôpital, donc pas top. Mais... Ah, ouais, c'est pas cool. Bah bon rétablissement à toi, j'ai GLB Farming. J'espère que t'as pas trop. J'espère que tu vas te rétablir assez vite. Alors attends, GMG, je... Comment tu vas, GMG 59? J'ai vu que t'étais en live. J'irai passer mettre mon petit pouce bleu tout à l'heure. Bien sûr que j'aurais fini. Vous savez quoi, on va finir de mettre les bottes, puis ils iront, je crois, je m'amuserai à les chercher. La prochaine fois, je ferai pas ce champ-là en botte, ou soit je les ferai en carré. Ah non, peut-être pas carré, j'aime bien les ronds. Mais il faut que j'enlève le mode qui permet de s'arrêter tout seul. Ça va bien, on live. Couper OBS. Ah bon? Bah décidément, entre YouTube qui merde et puis OBS aussi. Moi j'avais fait une première arrivée à la moitié, elle a planté, même pas. C'était au tout début de la vidéo. Hop, KO. La première, elle a sauté. Oui, Kiki, il a une chaîne, ouais. C'est GMG 59. C'est du farming.
verras, ils sont carrés. Les horaires, c'est les horaires. Ils sont très gentils. Oh boy, attends, arrête-toi là, le tracteur. Oh, il y a une balle rendue là-bas. Oh, il y en a partout. C'est pas grave, je m'amuserai à les chercher. Et bien sûr. Et voilà, c'est ce mode-là qu'il faut que j'enlève là. Attends, je vais arrêter l'autre dans sa course parce qu'elle est encore à perpète. Il y en a une là-bas, là, dans le champ. Sinon, je vais t'embaucher, Kevin. Tu mettras des cales derrière les balles. De quoi, que dalle. Si, si, il a une chaîne GMG, ça c'est sûr et certain. Bon, le petit morceau il va rester. Il reste tout ça encore. Tu mets 30 égale tout ça. Putain, Kiki, tu. Tu m'embêtes. Bon Dieu. Ah, ce mode, je vais le maudire. Salut Claude. Comment tu es, Belgium? Bah ça va, Régne. Ah ça va, Claude. C'est temps que je finisse les bols de paille parce que là,
Ça s'en va un peu de partout. Ah, mais mince, pourquoi je vais en travers? Mais le volant, il est en train de bugger. Je crois que c'est pas bon le live le mercredi. Allez, calme-toi la bobotte. Voilà. Il y en a une au plein milieu du champ là-bas, on la voit à côté de la maison. Allez, il reste plus que 3, 4. 4 rangées et terminer ses bâtons. Qu'on emmène le reste à la ferme des vaches. On fera moitié de la machine et moitié. Et je pense que je vendrai la rombaloise ronde et je prendrai des bottes carrées, je m'arrangerai. Je changerai les outils pour les ronds. Ou soit il faudra que je trouve des champs plus plats pour faire les ronds. Mes messages sont effacés, c'est quoi ce bordel? Ah, j'ai rien fait. J'en sais rien, Kiki. J'ai dit, YouTube, ils sont en train de. Ah, mais ça, c'est quand que t'es quitté et t'es revenu. C'est quand que tu fermes la. T'es sur ton téléphone et que tu fermes la. Avec la roue et tu reviens, ça coupe les anciens messages. Ah, mais ça, c'est qu'il a fermé le chat avec son téléphone et puis il a rentré sur le chat. Ça les efface. Bon, on va ramener la presse à la ferme. Bon, il y a une balle là-bas qu'on ira chercher. D'avoir un peu partout, on en a 40. On a 48, donc ouais, 24, 24, 48, ouais. Là, ça faisait deux machines complètes, quoi. Toc là. Et pensez à mettre la petite cloche, les amis, pour suivre. Pour avoir une notification quand que ça bug pas, bien sûr. On va la laisser là pour passer le Karcher.
Salut Stéphane, merci pour ton petit pouce. Ça fait plaisir. Donc si Monsieur Ced Farmer 12 il passe par là, regarde, quand t'es ici, t'appuies sur R et comme par magie un Karcher. Youhou! Un petit nettoyage, ça fait pas de mal. Voilà. Comment tu vas Stéphane? Bien sûr, il y a la Mastoc. Eh ben, je vais peut-être pas y arriver à me déplacer. Voilà, on pose le Karcher. On rattelle. On va le ranger. À sa place. C'est toute chose à une place. Alors. Je vais peut-être pas y arriver à fermer. Bon jeu. Voilà. Bah ça va. Ça va Stéphane. Tu nous regardes au boulot. Ah bon? Alors, on va détacher ça là. Hey, je vous ai dit qu'il y en a une qui a la ferme. Regardez. Elle est venue toute seule. J'ai pas besoin de les ranger au moins. Donc il y a plus. Ah oh, bah là, il y a déjà deux là. Ouais. Ça va vite torcher. Et puis après, il n'y aura plus qu'à tout ramasser là. Tout. C'est un coup de charrue. Avoir du taf. Bien sûr, je ferai pas des vidéos. Hein. Parce que ça me met un petit moment. Hein. Je sais pas. Voilà. Allez. C'est parti. Parti pour le ramassage. Ah oui, il y en a une là-bas. J'ai dit devant. Par ici. Il y en a une. C'est vrai que c'est pas mal fait ces machines là. Je sais qu'il y en a deux sur la route. On ira peut-être les ramasser en dernier. Et
Ouais, et puis faut passer la charrue ici. Toc. Ah, il y en a une sur le chemin là, ouais, c'est vrai. Ah, puis il y en a une à la maison. À la ferme. Ça, je voudrais bien avoir une machine comme ça en vrai. J'en ai jamais vu. Doucement. Une qui a voulu se cacher ici. Hein. Je me demande pas s'il y en a une là-dedans. C'est la cachette mystérieuse des bottes. Je sais qu'il y a un mode que ça fait des petits points comme les véhicules pour les repérer. Mais je l'ai pas mis. Je sais même pas le nom du mode, j'ai jamais téléchargé. C'est que j'ai vu ça dans des vidéos YouTube. C'était dans les trucs les. Des modes les plus. Bon, qui vous aident. Ah, il en manque que 24, 3. Eh ben c'est facile, les deux là. Ça fait 23 et puis une à la ferme, ça fait 24. Voilà. Oh, bon. On va passer. On va laisser ça ouvert comme ça, on prendra l'autre en même temps. C'est vrai que. Je pense que ça, là, il veut, là, il sera pas répertorié. C'était le plaisir d'être avec vous. J'ai peut-être pas arrivé à choper la dernière. Ok, et voilà. Retour maison. Voilà. Il n'y aura pas eu de clôture, elle serait arrivée à la ferme. Que j'aurais pas dû prendre comme ça. J'avais envie d'essayer de placer un bâtiment là, mais le terrain est pas au bon endroit. Alors, faudrait. Là. Bon, on a fait des choses. On a pressé. Voilà, toc. Ça se décharge tranquille. Alors, je prends plus de charrues trop longues, je prends
un roto qui remplace le T8 mètres. Ça va beaucoup plus vite, sinon la galère, ouais. Et c'est pour ça que j'ai un décompacteur de 6 mètres. Par contre, je voulais voir une chose. Alors ça prend les bottes de paille ou pas, ou c'est... Attends. On va faire F1, je me rappelle plus. J'ai fait quoi là? Fermer la tri de... Ah voilà, ça s'ouvre. Toc. Est-ce que j'ai laissé le mode force? On va en prendre une. Est-ce que j'ai laissé le mode force? Même pas, penses-tu? F11. On va en prendre une. Attends, il est où le machin? Ah, ça la prend directement. Faut voir, c'est juste pour essayer. 3. Wow! On fait du basket, les gars? Regardez. Ah, celle-là n'a pas été. Ah. 3 dedans, ça fait quoi déjà? Ouais, 60%, ouais, ça va aller vite. Ça va aller vite à faire la ration mélangée. On va essayer de reculer ça du premier coup. Hop. On peut l'éteindre. On va pouvoir le détacher. On va spawner dans celui-là. On va le ramener à la ferme. Dans le petit 300 qui va bien. J'avais pas envie de faire le petit S en roulant. J'ai coupé à travers le chemin. Voilà. Hop là. Ah bah le maïs il est mûr. On va ramener la moissonneuse batteuse et puis la préparer pour le maïs. Mais déjà l'orge qu'on a là... Faudrait l'emmener au cochon. C'est pas grave. On va le vider ici, on le ramènera plus tard. Toc. Et hop. J'ai ça ici. Alors rangé du premier coup. Tu vois, c'est bizarre qu'il n'est plus dans le chat. Regarde ça, la marche arrière. J'ai dit éteindre les lumières. On la replie. On met les joueurs au phare.
Après ça, faut que je ramène la barre de coupe. Attention de passer bien sous l'arche. Hop là. On va la détacher ici. Comme ça, on pourra la nettoyer. Quand je trouve le Resonix en barre de coupe comme ça, ça tasse la moissonneuse. Regardez, je peine à freiner. Je pense que je prendrai des balles carrées parce que je vais pas avoir fini avec les balles rondes. Toc! Et voilà! On va ranger tout ça, donc ouais, je revendrai ça, ça. Je serai obligé de prendre un carré. Toc, on va fermer tout ça. Les écoutilles. Je sais pas si la petite porte s'ouvre. Ah non. Monter. Ah bah oui, je suis dans le 300, il me semblait. Donc j'ai aussi pris cette petite remorque là. J'ai pas trouvé plus petite. Il y a peut-être, mais j'ai mal cherché alors. Si on ira acheter de la chaux avec la benda, toc, qui est. Ah, puis qui est répandre. Bizarre, notre ami Kiki est parti. Ah, bah tu vois, Reg, il fait. Ouais, il m'a répondu. Bah, c'est pas grave. Il a dû s'endormir. On va aller laver la barre de coupe, tiens. Toc. Ça va être propre, il n'y aura plus qu'à la ranger. Le champ 17. On fauchera. Ouais. Ah, le champ 17, on fera du maïs pour les cochons. Voilà. Puis voilà. Donc, sur ce, les amis, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci, les modos. Ah, bah, tu vois, il se réveille quand on s'en va. Et que ça brille. Ouais, c'est ça, Stéphane. Faut que ça brille. Bah, brille. Ah, brille, cette petite barre de coupe. Qui est bien pratique. Et bah, Kiki, qu'est-ce que tu te baignes là-dedans là. C'est pas bon, ressors de là. Allez, hop, prends l'échelle.
Bah sur ce, les amis, c'est ici que j'arrête pour ce soir et puis on se retrouve bientôt. Je vous remercie, GLB Farming, Kaki, Stéphane, Ray, Kaki, puis Belgium, tout le monde qui est passé. Malgré que tout le monde n'est pas passé. Ah, il y a beaucoup de monde qui est passé, mais merci GMG. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Pensez à activer la petite cloche pour les notifications. Demain, normalement, une vidéo qui sort sur la ferme, la petite série vacancière, que je pense qu'il va s'arrêter. Je sais pas. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous et salut, salut! Bonne nuit à tous et prenez soin de vous et puis bon courage pour demain.